89. Aujourd'hui, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a le coup du hasard. D'autres chargeurs 68 noirs pour les méchants. Pour le héros. Les effets spéciaux rocambolesques. Il y a aussi le jeu d'acteur. Ah, bien sûr. Hein, les doublures cascades. Avec le. Pareil, notre Jérémy derrière qui était en. Qui faisait le. Lui, il faisait voilà. il venait de Chéri, fais-moi peur lui. Comment ça, de son? Ah, son, pas son. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah moi je n'ai pas de son, c'est moi qui suis sans son, comme Véronique. Peut-être que tu n'as plus de batterie, mon jeune ami. Mais la batterie est pleine. Est-ce que le son est revenu, les amis? Désolé. Peut-être que tu l'as éteint en. Il était en poche. Non, non, toi t'es bon, toi. Donc désolé, problème technique. Oui, toi t'es impeccable, toi. Donc je disais. Vous avez quand même eu du son au début, quand même, non? Problème de son, coupure. Ah, mais peut-être ça saturait. Trop de bruit. Trop de puissance. Là, est-ce que c'est bon, madame Alex? Ah, le son, bah oui, mais là, c'était ça. C'était ça. Il a disjoncté. Toujours pas de son? Non. Parfait. Ah, bah voilà, le temps que ça se connecte. Il y a un petit delta. Bon, donc, bah voilà les joies du direct. Donc on reprend. Hein, donc voilà les. Pour une fois que j'avais travaillé mon texte et tout ça, j'avais bossé. Hein. J'avais bossé dur. Hein. T'as vu quand on est descendu là à San Francisco? Ah oui, et le saut de la mort. T'as vu? Ah ouais, c'était. Le saut de la mort, c'était incroyable. C'était chaud. D'ailleurs, ça a scrappé un peu en dessous. Un petit peu des étincelles, ouais. Désolé Anthony. Hein, pour ta caisse, on a scrappé un peu en dessous et puis. Voilà, bon, bah écoute, quoi de neuf sinon? On est bien? Bah écoute, on est bien. Hein, du boulot, des Mustangs et puis voilà, hein, la passion. Toujours, qui nous anime. Est-ce que vous déconfinez? Vous êtes prêts à déconfiner ou quoi? Hein? Ça commence à sentir bon? Tout à l'heure, en fin de live, on ira faire un petit saut dehors. On a une caisse qui est vraiment cool à vous montrer et elle est au soleil. Donc, voilà. Bon, alors, quoi de neuf? Et toi, de ton côté, mon ami? Eh ben, ça roule. Donc, on va aujourd'hui vous parler des arrivées de la semaine. Donc, voilà, notamment cette chargeur qui est pour notre ami Anthony. D'American Coffee Garage, donc secteur Bordeaux. Là, quelques caisses en provenance de chez lui qui sont vraiment cool, qui vont aller chez lui. Donc ça va être pour sa collection personnelle. Donc vous la verrez, tous les gens qui habitent dans le secteur Bordeaux, vous la verrez là-bas. Donc, belle caisse. Après, on vous montrera la Fastback 67 Code S, boîte mécanique grise, qui est dehors. On l'a mise dehors pour que vous voyez bien La belle teinte grise au soleil et qu'on vous montre un petit peu un petit peu de soleil californien. Et j'ai puis, cru comprendre qu'en certaines régions de France, c'était sous la pluie là en ce moment. Ouais, bah oui. Et, tu sais qu'au Québec, il se remet à neiger là. Ah, bah yeah. Voilà, bon, on espère que ça vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, on a cette arrivée de la semaine aussi, donc Jérém qui était au. Oui, il prend le temps de la fumée, j'ai entendu. Alors, ce qui est marrant, la Dodge Charger,
C'est une voiture qui, au départ, je trouvais géniale. Et quand on la voit en vrai, bon, on en a vu plusieurs, mais à chaque fois, l'impression que j'ai, à chaque fois que j'en vois une débarquer de près, c'est vraiment une très grosse bagnole, quoi. Elle est vraiment, vraiment grosse. Il y a beaucoup de place à l'intérieur, du coup. Donc, c'est quand même... c'est le muscle car, mais hein, quand même avec le salon confortable à l'intérieur. Et c'est vraiment une caisse qui a un charisme particulier. Parce que justement, elle est vraiment anguleuse, elle est carrée, elle est musculeuse, mais elle est vraiment très grosse, quoi. C'est vraiment une très grosse bagnole. Et à chaque fois que j'en vois une, je me fais cette réflexion-là. Enfin, c'est sûr que d'habitude, on joue avec les petites Mustang et tout, elles sont vraiment petites. Et là, on passe directement à la chargeur. Là, c'est. Et ce petit détail, moi, je trouve ça génial, le petit trappe à essence de type compétition. Ça, c'est vraiment le petit détail qui est vraiment canon. Vraiment cool, ça. C'est une belle bagnole, vraiment cool. Le coffre est vraiment grand. Ah, tu peux mettre au moins 3 corps. Ouais. Jérémy, est-ce qu'on peut mettre combien de Jérémy dans le coffre d'une chargeur? Alors, le coffre, il est incroyable. Ça va vous donner une idée de la taille de la voiture. Parce que quand on voit la taille du coffre, c'est hallucinant, quoi. C'est comme une Cadillac, quoi. On peut mettre au moins 4 corps dedans. Donc là, cette voiture, elle vient d'arriver. Elle a été livrée ce matin. Donc en fait, on a fait une... On l'a mise... on n'a même pas eu le temps de la nettoyer, car comme vous le savez, les peintures noires, il ne faut pas les nettoyer n'importe comment, la bonne, sinon on les raye. Donc, on a préféré la laisser un petit peu transparente. On la cleanera à l'occasion. Voilà cette belle caisse. On va la mettre sur le pont, on va regarder un petit peu les petits trucs qu'il y a à faire dessus, mais c'est déjà une caisse qui avait pas mal de boulot. Alex, qu'est-ce qu'il y a comme méca, t'as vu déjà? Il y a un 440 dedans. Eh bien, on va ouvrir. Hein, tu veux voir le moteur? S'il te plaît. Ok. Donc il y a un moteur. Ah bah dis donc, c'est la folie du son en ce moment là. Jérémy, j'ai besoin de ton aide, je ne suis pas qualifié pour ouvrir le capot moteur. Donc voilà le fameux bloc 440 de chez Mopar. Donc c'est un moteur qui a été refait, hein, on voit bien, hein, c'est tout bibiche, tout nickel. Et au son, je soupçonne d'avoir tout le valve train sur rouleau, parce qu'elle sonne vraiment comme un... Et je pense qu'il y a vraiment une cam assez agressive. Donc je ne l'ai pas essayé. J'irai me faire un petit tour avec quand même pour confirmer que le véhicule fonctionne comme il se doit. Et je vous en dirai des nouvelles, mais ça sonne bien, c'est sympa. Il est accouplé une boîte automatique. Bah, c'est bien détaillé, c'est beau. Donc là, j'imagine que le son est revenu, les gars. J'ai bidouillé. Allez, vous inquiétez pas, ça va revenir. De toute façon, c'est bon les gars, un petit pouce pour nous dire si c'est OK. Et ouais, on est 380 personnes, c'est cool. C'est bon, le son est revenu, OK. Yes. Bon, c'était juste la fiche qui était mal fichée. Voilà, on est toujours un petit peu dans le rush, on essaye de vous préparer des lives. Et d'ailleurs, du point de vue du sommaire aujourd'hui, pour le comment ça marche, Alex va nous parler des radiateurs de chauffage. Ne pas confondre avec le radiateur de refroidissement. Exactement. Le radiateur de chauffage. C'est un détail. C'est un détail, mais quand ça se met à fuir. Ah, c'est un détail, mais qui a son importance. Parce qu'ici, 80%, voire 90%. C'est une partie des bagnoles. Ah non, beaucoup. Mm. Beaucoup des véhicules ici. Bon, plus ils sont vieux, plus c'est le cas. Parce que, bon, les années 80, généralement, le radiateur de chauffage n'a pas eu le temps de mourir. Mais les années 60, 70, la plupart du temps, et surtout ici en Californie, le radiateur de chauffage, dès qu'il fuit, il bypass, c'est terminé. Donc ça, c'est une opération qu'on effectue régulièrement pour que vous, en France ou partout en Europe, dans les pays où il fait un peu plus froid, vous puissiez avoir le chauffage et puissiez dégivrer vos pare-brises. Et c'est une opération, je vous expliquerai, qui a l'air simple, mais qui ne l'est pas. Pas toujours. Donc on va regarder ça, notamment sur cette Camaro RS. Voilà, là, on a le bon exemple. Voilà, donc ça, on va vous montrer tout à l'heure. OK. Alors, Jenny, est-ce que tu veux montrer, par exemple, le petit C20 de nos amis de GT Automobile. Donc ça, on vous l'a montré en photo. Donc voilà, c'est l'exemple typique de ce qu'on a la chance de trouver parfois, c'est-à-dire un véhicule qui a appartenu assez longtemps à son propriétaire pour qu'une bonne partie des travaux et de maintenance ait été fait. Et puis, comme il avait eu une peinture qui était quand même pas mal patinée, eh ben, il en a profité il y a 2 ans pour refaire la peinture. Et le gars est un pompier, super cool. Et voilà, et donc il a vraiment pris soin de son truck.
Tiens, je vais ouvrir. Ah, ce qui est intéressant, c'est l'intérieur qui est strictement d'origine. Donc la sellerie, la moquette, tout ça, c'est d'origine. Et c'est en super bel état de conservation. Même le tableau de bord n'est pas craqué. C'est vraiment, vraiment un bel exemplaire d'un C20 Time Capsule, comme on les aime. C'est-à-dire le truc le plus possible proche de l'origine. La peinture est pas trop mauvaise facture. Il présente super bien. Belle peinture, marron et crème. C'est vraiment les teintes de l'époque. Vraiment cool. Les petits stickers, regarde, on voit, ils sont tout neufs, les petits stickers d'origine. Ça, c'est important. C'est le petit détail qui fait la différence. Le petit sticker avec les pressions de gonflage, les poids admissibles, le numéro de série, etc. Donc, c'est vraiment cool. Ouais, très, très cool. Bon, il y aura 4 pneus neufs, il y aura pas mal de trucs. Donc, ça, c'est notre ami Tony qui va le réceptionner à Roiselle. Et donc, Tony va avoir le véhicule avec les pièces, etc. Et avec son équipe, ils vont faire ce qu'il faut pour qu'il soit prêt à repartir sur la route en toute sécurité. Bon, il y a pas mal de boulot qui est déjà avancé dessus. Voilà pour ce truck, vraiment cool. Blue plates, encore une fois, on voit ici, hein, c'est des plaques d'origine d'époque, des années 80, avec la patine bleue là. Très très cool. Voilà pour ce beau petit truck. Qu'est-ce qu'on a aussi qui est arrivé là récemment? La dernière qui est arrivée, c'était celle qui est dehors, qu'on présentera tout à l'heure. Voilà. Donc si tu veux, on peut faire un petit point sur la voiture d'Eric, parce que hier vous avez installé. Ah bah oui, Eric, on a vous avancé. Avez installé la mécanique. La voiture d'Eric. Donc le projet Bullitt. Projet Bullitt, exactement. Donc on a remis la mécanique dans la voiture, le moteur boîte. Jérém s'est affairé à remonter toute la suspension avant et arrière. L'idée, c'est de faire tout le gros œuvre en premier. On va câbler, je vais faire tout le câblage, refroidissement. On va vraiment faire 90% de la mécanique qu'elle soit quasiment roulante avant de l'emmener en peinture. Comme ça, on a moins de risque d'abîmer la belle peinture une fois qu'elle sera faite, en fait. Donc, l'idée, c'était ça. Et puis, bon, faut qu'elle puisse être déplaçable pour le carrossier, pour pouvoir la bouger, pour qu'il la peigne. Donc, on peut voir, hein, on a tout remonté, le beau moteur que j'avais dressé et rejointé. On a remis la boîte, Jérém nous fait du travail de maniaco dépressif, il ponce et polie chaque vis, chaque pièce, donc c'est très bien. Donc la direction, on a remis la même direction, sauf c'est une direction manuelle, donc la voiture était manuelle, je l'avais expliqué la dernière fois sur l'explicatif sur la Borgeson. Ouais. Donc ça tombait à pic puisque la voiture est équipée d'une direction manuelle, donc on a gardé toute la timonerie de direction d'origine de manuelle. On a toutefois changé le bras d'envoi, ce qu'il avait du jeu. Donc on a mis un neuf, et puis on a changé tous les petits soufflets. Les rotules étaient en très bon état, elles sont très bien articulées, mais les soufflets commençaient à être craquelurés, donc on a changé les petits soufflets. Puis tout le train avant est neuf, hein, perche, triangle, amortisseur, et j'en passe. Et là, la dernière étape, ça va être le kit de freinage Wilwood, donc qui est commandé. Quatre freins à disque. Et donc, une fois qu'on aura les freins, on pourra finir de remonter les trains, les reposer sur ses roues. Et ça a bien avancé, donc à l'arrière, on a installé le kit de barre stabilisatrice pour améliorer, pour essayer d'améliorer le roulis, c'est-à-dire en virage. Donc c'est une voiture qui va être utilisée sur des routes sinueuses. Ben ouais, ça, c'est une voiture qui sera utilisée en Corse. Voilà, donc une barre anti-roulis à l'arrière, c'est pas idiot. Donc on a installé ça, une barre des kits qui vendent, c'est sympa, ça se monte bien. On a mis tout neuf, bien évidemment, nouvelle lame, nouveau bushing, nouveaux amortisseurs, nouvelle durite de frein. Enfin, tout va être neuf, hein, sur cette voiture-là. Sinon, on a ici l'arbre de transmission. Alors, Jérém, voilà. Tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est c'est ton œuvre. Alors, Jérém, il a décidé. Ah, c'est une décision. C'est une décision et voilà. C'est une proposition qu'il a fait. Je lui ai dit, il faut faire quelque chose pour la transmission. Il était tout rouillé. Donc, c'est un arbre qui a été bien évidemment fait sur mesure pour la Tremec. Donc, ça a été fait il n'y a pas très longtemps. Il y a encore les stickers du fabricant dessus. Mais bon, le fabricant, lui, l'avait livré brut. Donc, le truc, il avait une petite rouille de surface. Et Jérém me dit, mais non. Alors, je lui dis, il faut le repeindre. Il me dit, non, laisse-moi faire. J'ai une idée. Donc, c'est l'effet miroir. Voilà, il nous a fait un effet, métal sec, brut, hein. Comme c'est à l'origine. Sec. Et avec une petite couche de protection anti-rouille. Donc, voilà, c'était la touche Jérémy du jour. C'est la cool, signature. Hein. Ouais, la signature. Là, tu vois, regarde, il y a marqué le numéro de pièce, fabriqué la date, bon, là, c'est effacé, et fabriqué par, tu pourrais mettre ton nom, hein, Jérém. Ah, oui. Fabriqué par Jérémy. Voyons.
Ça pourrait être rigolo de mettre ta signature. Voilà, donc le projet Bullit, ça avance vraiment bien. Donc voilà, dans la foulée, on a d'autres projets qui sont dans les bacs. Voilà, on vous présentera tout ça. Ensuite, on a toujours les voitures que vous avez vues la semaine dernière, que vous avez pu apprécier déjà la semaine dernière. On est pas mal. Je propose, Alex, qu'on enchaîne sur la partie, la petite partie comment ça marche. Ah, et puis on finira avec la Codes qui est dehors. Avec le clou du spectacle. Voilà. Un des clous, parce qu'on a déjà eu un clou. On a déjà eu une vis, maintenant ce sera le clou. Maintenant on aura un clou. Okay. Donc les amis, voici ce qu'on appelle un radiateur de chauffage. Donc c'est un petit élément qui est indispensable pour vous réchauffer l'hiver et pour désembêter votre voiture, parce que sans radiateur de chauffage, si on ne chauffe pas le pare-brise, quand il y a de l'humidité, il y a de la buée. Et donc s'il n'y a pas de radiateur de chauffage, vous êtes là essuyé. Donc voilà la fameuse pièce. Mais. Comment ça marche? Donc le radiateur de chauffage, c'est ni plus ni moins qu'un radiateur, comme le radiateur de refroidissement. Ça marche exactement de la même façon, c'est exactement la même chose, mais miniature. Donc le liquide de refroidissement rentre d'un côté, circule dans le faisceau du radiateur de chauffage et ressort. Et ce qui permet d'avoir, donc quand vous mettez votre ventilation, l'air traverse le radiateur de chauffage et est chauffé donc par ce faisceau. Et donc on a de l'air chaud qui sort du tableau de bord, des buses ou du dégivrage. Donc voilà. Et cette pièce-là, elle est prône à fêler souvent. Donc, elle vieillit, hein, voilà, c'est une pièce d'usure. Donc ça, c'est la vieille pièce, on peut voir. Donc là, cette voiture-là, ça ne fuyait pas. Hein, la voiture, il n'y avait pas de fuite. Je suis parti l'essayer. Le circuit de refroidissement donc, est monté un petit peu en pression, vu qu'elle a chauffé. Normal, hein, le circuit de refroidissement monte toujours un petit peu en pression. Et puis, ça s'est mis à fumer, à sortir du tableau de bord. Donc au début, c'était la panique. Je me dis, il y a un court-circuit électrique, j'ai de la fumée qui sort du tableau de bord. Non, c'était de la vapeur d'eau chaude qui s'émanait du radiateur de chauffage. Et donc, pour l'anecdote, j'ai vu que ça commençait à couler du tableau de bord. Et vu qu'il y a une moquette neuve, j'ai dû enlever mon t-shirt, le bourrer sous le radiateur de chauffage pour pas tâcher la moquette. Et donc, je suis rentré torse nu. La belle moquette rouge. Voilà, je suis rentré torse nu avec la voiture. Ah, mais c'était ça l'émeute qu'il y a eu. Il y a eu une émeute. Là, donc, c'était incroyable. Elles sont tombées comme des petits cafards. Comme des mouches. Eh, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a une question? Est-ce en cuivre ou en alu? Alors, c'est du cuivre et du laiton. Donc là, les parties qui sont les parties du tank, comme on appelle ça, c'est du laiton. Et je pense que les tubes sont, eux, en cuivre. Et donc, c'est brasé, c'est une soudure qui est brasée. Donc ça, c'est un truc remanufacturé. C'est celui d'origine qui a été refait à neuf. D'accord. Et sur certains modèles, on peut l'avoir en option, en aluminium moderne. Donc il est tout en aluminium. Donc, suivant les modèles, on a le choix ou pas. Et sachant que les versions aluminium sont bien moins chères que les versions type origine, parce que c'est fait en grande série et pour les raisons qu'on connaît. Mais c'est fiable aussi. Le conseil du jour, c'est de vérifier qu'il soit étanche. Même neuf, moi j'ai déjà eu le coup. Des pièces neuves, on les monte, nanana, sur une voiture qui avait. Je vais revenir à la partie, on va dire, tutoriel un peu plus tard, parce que. Il y a plusieurs méthodes et il y a plusieurs sur tous les modèles, c'est différent. Donc il y en a, ça se fait en une heure, c'est fait. Il y en a d'autres, ça met deux jours. Donc ça dépend des modèles. Et sur celle que j'avais faite, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait démonter tout le passage de roue, etc. Et donc j'avais monté le radiateur de chauffage neuf, j'avais pas vérifié qu'il soit étanche. Et j'ai mis la voiture en route, j'ai laissé repartir la personne et ça s'est mis à fuir immédiatement. Donc on a dû redémonter, rechanger le radiateur de chauffage. Donc première chose à faire, quand vous avez votre pièce neuve, vérifiez qu'elle est bien étanche. Donc c'est facile, on met un peu d'eau dedans, on bouche un tuyau, puis on souffle dans l'autre, puis on voit si ça coule. Si ça coule pas, si c'est bien maintenu en pression, qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de truc, c'est que c'est bon. Donc là j'ai vérifié, celui-là est étanche. Donc j'en viens à la partie donc montage et démontage. Donc ça c'est pas très compliqué. En gros, il y a deux durites à enlever dans la baie moteur. Donc sur une Mustang par exemple, parce que on va comparer un peu les voitures les plus répandues. Donc la Mustang, première génération, deuxième génération. Et les Chevy, Camaro, Nova, Firebird, tout ça, c'est le même montage, voilà, et ça se fait plus ou moins bien. Donc, on va commencer par la partie difficile. Les Chevy, elles sont un petit peu plus délicates à faire parce que c'est des voitures plus complexes, les systèmes de chauffage sont plus élaborés, donc ils ont des boîtiers de chauffage qui sont plus gros, et donc c'est un peu plus contraignant à démonter. Et notamment quand on a la clim. La clim, donc on a ce gros boîtier, tiens Jenny, tu peux t'approcher. Les versions climatisées, donc le boîtier de chauffage climatisation est séparé en deux parties. Donc la partie climatisation est, elle,
dans la baie moteur et la partie chauffage est dans l'habitacle. Et sur ce modèle-là, pour accéder au radiateur de chauffage, il faut démonter des deux côtés parce que là, on n'a absolument pas du tout accès aux vis qui libèrent la partie habitacle. Donc c'est assez compliqué. Et surtout, les Chevy ont la particularité d'avoir le moteur de pulseur, comme on dit, le moteur de ventilation, ouais, dans l'aile. Donc, on n'a absolument pas du tout accès. Donc, il faut enlever le passage de roue. Et sur une Camaro, croyez-moi, c'est du sport. C'est du sport. Donc, on fera un point plus tard sur les autres modèles. Bon, là, j'ai une Camaro démontée, donc je peux vous en parler directement. Donc là, le moteur de ventilation fonctionnait, mais il y avait un petit bruit. On sentait qu'il y avait un petit bruit de roulement, un petit grognement. Donc j'en ai profité pour changer le moteur de ventilation parce que c'est démonté et vu les heures que c'est pour le démontage, oui, vaut mieux le petit moteur il vaut 50 balles. Je veux pas que mon client après se retrouve à me dire ah, le moteur marche plus, faut retour démonter, c'est une galère. Non, tout est démonté, je mets radiateur de chauffage et moteur de ventilation neuf, okay, directement. Et tu l'as, ça c'est ça l'ancien. Voilà, il est là l'ancien, okay, moteur. Voilà. Donc ça c'est pour les Chevy. Alors les versions Camaro sans clim, on arrive à le faire sans enlever le passage de roue. Si on change pas ça, si on veut changer ça, il n'y a pas d'autre option que d'enlever le passage de roue, parce qu'il est là lui. Regarde, je te montre. Assistant lumière, s'il te plaît. Tiens, il est là, juste derrière le passage de roue. Donc on voit le passage de roue, il se prend là. Donc là, on a le support d'aile et il y a le passage de roue qui est devant. Donc si on veut changer le moteur de ventilation, on n'a pas d'autre option que d'enlever le passage de roue. Et je peux vous dire que c'est sportif. Hein. Pareil, les durites de chauffage sur les versions clim, elles sont ici, juste derrière le passage de roue. Donc on n'a pas le choix. Il faut enlever ce côté-là pour accéder à ces éléments-là. Et aux vis, il y a une vis là et une vis en haut qui tiennent le boîtier intérieur. Après, la partie intérieure sur la Camaro, ça se fait pas trop mal. Bon, il y a un peu de démontage, hein, je vais vous montrer. Après, je reviendrai sur le boîtier en lui-même. Le boîtier, c'est assez simple. Donc là, à l'intérieur... Tiens, donne. Non, sorry. Hop, sorry. Lumière. Donc l'intérieur, en gros, il faut enlever la boîte à gants. Protéger la moquette, ça, c'est obligatoire. Donc là, j'ai mis du plastique qu'on a autocollant de protection. Parce que là, quand vous allez dégrafer votre boîtier de chauffage, ça va couler inéluctablement. Donc on enlève les câbles, les fils, la boîte à gants, le kit panel parce qu'il est dans la voie du boîtier. Et puis ça se démonte assez facilement cette partie-là, c'est pas très compliqué. Mais la grosse partie, c'est la partie de l'aile. Là, c'est un peu plus sportif. Bon après, les Mustangs, c'est pareil, les Mustangs, elles ont leur lot de surprises. Mais grosso modo, une Mustang, ça se fait mieux. C'est plus facile sur une Mustang et surtout une première génération. Les premières générations, la clim, le boîtier clim, comme on sait, la fameuse cassette, était séparée du boîtier de chauffage. Donc, sur les premières générations, le boîtier de chauffage, c'est le même sur toutes les Mustangs de première génération. Okay. Celui-là, on enlève les quatre vis qui sont sur le tablier, on débranche les fils, les câbles, bouffe, le boîtier tombe, terminé. Il faut enlever la boîte à gants quand même pour pouvoir manœuvrer. C'est tight, mais ça passe. Et ça se fait bien entraîné, en une heure et demie, c'est plié. Donc, sur une Mustang première gêne. Deuxième gêne, il y a deux modèles. Il y a version avec clim et sans clim. Donc la version sans clim, c'est à peu près le même design que la version des Mustangs de première gêne. Donc ça se fait assez rapidement. Et les versions climatisées, elles, par contre, elles ont un immense boîtier avec des poumons pneumatiques parce que tout est contrôlé pneumatiquement. Et là, c'est vraiment plus gros. Et là, c'est vraiment plus chiant. C'est ça, les fameux poumons qu'on voit dans les ailes. Et tout est piloté par pneumatique. Donc pareil, il faut bien tout repérer, chaque tuyau. La place est légitime, il y a des petits clapets, des petites valves, des petits machins, donc il faut tout bien remettre comme c'était. Puis généralement, il n'y a pas de souci, ça se fait bien. Mustang, ça se fait quand même mieux que Chevy. Et après, une fois qu'on a déboîté ce fameux boîtier, eh ben, on l'ouvre en deux. Donc sur une Chevy, c'est des vis. Donc on a la première partie là, la deuxième partie qui est là, avec les volets, etc. Donc ça, c'est la deuxième partie dans laquelle le radiateur de chauffage va venir se visser. Donc lui, il vient comme ça, pouc. Et on a tous les volets donc de répartition d'air. C'est ce qui permet de choisir entre les pieds, les ventes ou le dégivrage. Donc bien vérifier que tous ces volets soient bien libres, que leurs joints soient en bon état. Donc là, on voit c'est bien, c'est en bon état. Donc les mousses, pareil, tout ce qui est mousse d'étanchéité, les changer s'il y a besoin. Bon, là, on voit que c'est encore en bon état. Pour une caisse de 67-8, c'est quand même rare, généralement. Après, ça dépend aussi de la qualité d'assemblage des voitures. Les Mustangs, c'est de la mousse, tu sais, une espèce de mousse. Donc ça, avec le temps, ça se désintègre. Donc si vous attaquez un radiateur de chauffage sur une Mustang, il faut prendre le radiateur d'office et prendre toutes les mousses. Certaines aussi ont besoin du boîtier de répartition entre les pieds et le dégivrage. Il y a un petit boîtier qui est en carton d'origine. Donc maintenant, les neufs, ils sont en plastique. Donc ça, il faut le mettre d'office. Et aussi, tout ce qui est gaine d'aération sur les Mustangs, généralement, il faut le changer. Là, la Camaro, bon, elle avait besoin de ses gaines. On l'avait déjà fait. Mais le radiateur vient de nous lâcher. Donc voilà. Donc c'est une opération qui paraît banal parce que vous recevez vos voitures, ah j'ai le chauffage, on met le chauffage dans sa voiture, c'est normal, c'est banal. Mais quand on voit à l'envers du décor le travail que c'est juste pour avoir le chauffage,
c'est quand même, c'était important c'est, de le noter. Quand à même. Chaque fois qu'on va expertiser une voiture, c'est un des trucs que je regarde, bien sûr. C'est une des choses qu'on regarde. S'il n'y a pas de chauffage ou que c'est en mauvais état, ça fait monter la facture sérieusement parce qu'il y a beaucoup de temps à passer. Mais malgré tout, ce n'est pas rédhibitoire pour nous. Non, c'est-à-dire que. Bah on le fait à chaque fois quasiment. Voilà, on sait que de toute façon, on ne peut pas faire la fine bouche sur les voitures. Les choix qui s'offrent à nous sont de moins en moins larges. Large, ouais. Donc, on ne va pas chipoter pour un. Mais voilà, on le sait, on le note. Donc, ok, bah, très bien. Et est-ce qu'il y a des, petits. Jenny, si tu as vu passer une question. J'ai juste vu passer un petit message de Claude, notre ami avocat, qui nous conseille, qui dit à Jenny de nous dire de ne pas nous mettre en short. Claude. Ah, si, Claude. Je suis désolé, mais fait tu trop sais, chaud, les Frenchies, sont comme ils sont. Et, ils sont en short. Puis il fait chaud, là. Les trois quarts d'année. Déjà, vous avez de la chance, cette année, il n'a pas fait super beau une partie de l'hiver, donc on était plus souvent en pantalon. Mais non, on ne va pas nous retirer ce petit plaisir. On n'est quand même pas parti de France pour venir s'installer ici, pour se mettre en pantalon et avoir chaud du mollet. Et puis, on ne pourrait pas vous montrer le petit tatouage Socal Frenchies ou le curriculum vitae. 13 ans de cascade, ça, forcément, ça laisse des marques. Ça, voilà. Et Alex, il a aussi un tatouage. Ah oui, mais moi, je ne les montre pas, moi. Si, toi, tu as un beau tatouage de builder. Voilà. Et je vais quand même rajouter quelque chose. Le radiateur chauffage, il n'y a aucun moyen de tester, de savoir s'il va lâcher ou pas. Donc, c'est un peu la roulette russe. Il y a certaines voitures qu'on a qui sont branchées au niveau du chauffage, qui ne fuient pas, mais il peut arriver un moment où, pouc, le faisceau va casser. Il suffit juste d'une tête d'épingle, de je ne sais quoi, et puis ça y est, ça, avec la pression du liquide d'refroidissement, ça remplit la boîte, ça se met à couler, et puis c'est le drame. Donc il n'y a aucun moyen de le prédire, et bien, sur certains modèles, bon bah, puis c'est dur de savoir si ça a été fait déjà ou pas dans l'année de la voiture, c'est compliqué. Là, je soupçonne que c'est plus ou moins d'origine quand même. Hein. Donc voilà, la petite explication du radiateur de chauffage. Donc si vous voulez vous lancer à le faire, ça se fait, il faut prendre son temps, bien repérer tout à l'avance, bien visualiser ce qu'il faut enlever pour pouvoir passer la boîte après, bien regarder toutes les vis et tout, mais ça se fait pas trop mal. Enfin, ça prend du temps, mais ça se fait. C'est pas, il n'y a pas de réglage technique, machin, c'est juste la logique du démontage et du remontage. Voilà, donc ce sont des choses que vous pouvez faire chez vous, éventuellement en suivant il y a des tutos qui sont encore plus précis, etc. Je pourrais expliquer comment faire un radiateur de chauffage, mais il faudrait que Jenny me filme pendant toute une journée. Donc, elle n'a pas le temps. Surtout en ce moment, avec le confinement, les enfants étant là avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur? Et tu peux dire des choses, hein, tu sais, il n'y a pas... Je sens que Jérémy veut montrer le moteur. Ah, Jérémy veut montrer le moteur. Voilà, donc Eric. Donc ça commence à prendre forme. Ça commence à avoir de la gueule, c'est pas mal. Donc là, il reste encore. Là, on a juste droppé le moteur dedans. Il nous reste encore pas mal de petits trucs à monter. Mais je suis content, c'est joli. Hein ? Ça va être beau. Un petit moteur, somme toute, assez performant. Ouais. Tout à fait. Tiens, d'ailleurs, à propos de nos références vidéo. Ah, bah ça. On va faire un petit coucou quand même à Johnny Cadillac. Mais oui, qui nous a rejoint sur le groupe Socal Frenchies Community et qui regarde nos vidéos. Donc Johnny Cadillac, sosie belge de Johnny Hallyday. Exactement. D'ailleurs, c'est un vrai sosie. Il ressemble vraiment. Ouais. Il a un peu la même voix et tout. Ouais. Voilà. Et Johnny Cadillac. Si vous ne connaissez pas, vous jetez un petit coup d'œil sur YouTube et vous regardez les conseils bagarres de Johnny Cadillac. Franchement, c'est une de nos références quand on est sur la route, quand on déconne entre potes le midi, etc. Il y a souvent des petits trucs comme ça qui reviennent. Alors, Johnny Cadillac, Joseph. Ah, Joseph, pète les plombs à la prairie de Mauve. Voilà. Joseph, pareil, qui détruit une Clio parce que le gars qui lui a vendu, a merdé. Bref, il détruit la Clio, c'est génial. C'est un moment. Il y a bien entendu Christophe le Bad Boy. Voilà. Christophe, 135 dB, le striptease sur le tuning qui date d'il y a au moins 20 piges. Donc ça, c'est pareil, ça fait 20 piges que les gars, on connaît par cœur. Les mecs, on connaît par cœur, donc on vous rend hommage aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et puis bon, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, c'est ça, c'est nos références, c'est les petites vidéos, les petits trucs marrants
qu'on mate entre nous. Pour nous remonter le moral. Tu voilà, vois, exactement. On a un coup de grisou, on se met un petit coup de Johnny Cadillac ou de notre ami Joseph. Et puis tout de suite, on a le sourire. Et c'est pas des conneries. Il n'y a pas de sous-entendu ou quoi que ce soit. C'est vraiment, non, c'est vraiment entertainant. Vraiment ça, non, et nous, ça nous détend et ça nous amuse. C'est vraiment cool. Oui. C'est parti. Et là, nous allons vous montrer le soleil californien, nos petits lollipop trees, c'est-à-dire les longs palmiers. Avec, c'est pour ça que ça s'appelle lollipop, ça ressemble à des sucettes. Donc voilà, le lollipop tree et cette magnifique Mustang 1967, code S, big block, boîte méca. Matching avec donc sa couleur d'origine. C'est la fastback. Marty Report. C'est la fastback, quoi. Code S, 390, boîte méca, 67. Voilà. C'est la fastback, quoi. Et en plus, gris, elle est vraiment cool dans cette livrée gris métal. Et c'est vraiment dur de la regarder au soleil parce que ça shine. Hein. Mais ouais, il faut qu'on vous montre un peu de soleil, quand même. Voilà. Donc... là, son Marty Report, je vais vous le montrer. Donc là, cette caisse-là, on vient de la recevoir aussi. On n'a pas eu le temps de la décortiquer. Alex, là, tu veux regarder l'intérieur aussi. Tiens, je t'en prie. Alors ça, c'est avec une voiture qui a été restaurée il y a quelques années. Je dirais il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années peut-être. Donc il y a beaucoup d'éléments. Tout avait été quasiment changé. Hein, et c'était bien fait, c'est propre, c'est du beau taf. Malgré tout, il y a quand même encore des trucs qui avaient été changés et qui ont malheureusement vieilli et qui sont à nouveau à remplacer. Mais bon, c'est normal, c'est des pièces d'usure. Mais globalement, c'est une voiture qui est très saine, jamais accidentée, vraiment cool, marche très très bien. Donc on a notre ami le routier qui nous met un coup de... Il nous claque un coup. Eh, tu claques un coup et puis c'est tout, hein. Enfin bref, super bagnole. Moi, je l'ai conduite, franchement, le big block. Ça en a sous le capot, très coupleux, ça, c'est un vrai monstre, elle est vraiment cool. Voilà le Marty Report, alors quelques chiffres. Donc au niveau des codes, donc code S 390, voilà, boîte méca d'origine. La couleur c'est Silver Frost Paint, référence Ford 1901-A. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ils en ont fait 865 de ce modèle dans cette couleur. Donc 865 et il n'y en a que 494 avec cette couleur et cet intérieur. Donc il y a certainement, peut-être dans le tas, tu vois, à peu près 360 qui ont été faites avec le gris et peut-être une autre couleur ou cet intérieur-là avec une autre couleur. Donc voilà. Donc en fait, on regarde toujours là sur le Marty Report, on va regarder le plus petit nombre pour voir en fait la particularité de la voiture. Donc en fait, c'est une sur 494 de cette couleur avec ça. Et si en plus de ça, on se met à décoder toutes les autres options, bah ça fait encore moins. Parce qu'il est possible que, tu vois, sur les grises intérieures noires, il y a beaucoup de boîtes auto aussi. Ouais. Donc ça réduit encore. Voilà. Donc là, une des seules entorses à l'origine, c'est les jantes pour l'instant qui sont en jantes Torque Thrust en 17 chromées. Donc ça, bien entendu, c'est des choses, on peut tout à fait remettre des jantes type origine pour la personne qui la veut toute d'origine. Voilà. Elle a des Flowmaster aussi, elle est un peu plus bruyante que d'origine. Je vous la mets en route? S'il te plaît. Tiens. T'aurais pu le remettre dedans. C'est des fois que je l'égare. Quatre vitesses. Hop. Hein ? Ouais. Donc là, on entend bien le fonctionnement du big block à l'arrêt. Voilà.
Donc inutile de vous préciser que ce genre de voiture, ce n'est pas des voitures qui sont données. C'est très rare. On a encore un peu de trucs à voir. Il faut qu'on prenne les compressions moteurs, qu'on fasse des vérifications. Il y a le shifter qui n'engage pas très bien. Il y a encore pas mal de petits trucs à voir dessus. Donc on vient de la recevoir, mais on n'a pas résisté à l'idée, à l'envie de vous la montrer déjà. Mais d'ici la semaine prochaine, on en saura plus sur ce qu'on va devoir dépenser. J'ai pas de doute sur les compressions, mais je vais quand même le faire pour acquis de conscience. Ouais. Elle roule très bien. Petit réglage, je pense que l'essence est un peu vieille dedans déjà. Ouais. Donc peut-être vider le réservoir, changer le filtre, démonter le carbu, nettoyer les cuves, lui faire un petit coup de clean-up, nouvelle bougie, faire quelques petits trucs. Après, suspension, il n'y a aucun jeu nulle part, tout avait été changé, mais les petits soufflets, tout ça, c'est crevé à certains endroits. Les amortisseurs, pareil, ils sont pas très vieux, mais il y en a un qui fuit, donc dans le doute, je vais changer les quatre pour du bon matos. Là, ils avaient mis le moins cher, le Monroe de base. Nous, on va monter du meilleur matos. Ouais. Des petits détails, des trucs et des machins, mais rien de... D'origine, on voit qu'il y a quatre tambours. Des tambours donc non assistés, donc bon, ça freine, mais ça nécessiterait un petit kit de disque, si ça serait pas du luxe, mais qui ne sera pas assisté puisque c'est une boîte méca. Et pour avoir un booster, il n'y avait pas d'origine de Mustang boîte mécanique avec un booster. Ouais. Donc maintenant ils font des mètres cylindres manuels, comme ce qu'on a commandé pour la Bullet. Ouais. Donc ils font des mètres cylindres manuels, pas assistés, mais l'effort sur la pédale est vraiment, c'est bien foutu. Oui, et puis l'avantage aussi en boîte méca, c'est qu'on a aussi un frein moteur qu'on n'a pas en avec les nouveaux mètres cylindres sans assistance, franchement, ça, on s'en met quasi pas. Ouais, franchement, c'est bluffant. Hein. Top. Très bien, bah écoutez les amis, on a fait le tour. Est-ce qu'on a une ou deux petites questions, Jenny? On a quelque chose, des réactions? Le moteur, c'est un combien? C'est un 3,90. Et je valide. Et je valide. Bon, ouais, t'es sélectionné en semaine prochaine. Voilà, bah je reviendrai la semaine prochaine. Voilà, donc 3,90, ça correspond à peu près à 6,5 litres de cylindrée. Donc c'est un gros moteur, ouais. Ça cube beaucoup, c'est très coupleux. Donc là, bas régime, tu mets un peu de gaz, le truc il part direct. C'est pas rageur parce que c'est des grosses gamelles, hein, on peut pas tout avoir, mais le couple c'est quand même intéressant parce que pour un cruiser, puis t'écrases, ça part, hein, elle y va la voiture. Ouais. Mais le comportement est assez agréable parce que c'est vraiment le couple que tu ressens quand tu accélères, c'est ça que tu sens, que tu te colles au siège en fait. Waouh! Donc c'est vraiment cool, hein, vraiment sympathique à conduire. Il n'y a aucun intérêt sur ce genre de voiture à monter dans les dans tours. Les régions, voilà. Non, c'est ça. C'est la très élastique comme mécanique, c'est une mécanique très élastique. Question? Oui, ouais. On est. Alors, qu'est-ce que tu fous? Bah non, mais tu sais qu'on a recollé à une partie des messages qu'on était en retard. Mais maintenant, après, il y a les gens qui répondent, plus les autres en cours. Donc oui, il y a encore un peu de retard. Tiens, on va se mettre dedans parce que ça fait un peu de bruit chaud, ici. Il fait chaud là. J'ai 2-3 messages à faire passer. Donc, quand vous nous envoyez des demandes, n'hésitez pas à nous donner un maximum d'infos dès le premier message, comme ça permet de les traiter beaucoup plus rapidement. Et parfois j'ai des messages qui disent: vous faites bien de l'export vers la France? Oui. Donc après, ben voilà, tout ça c'est des échanges à n'en plus finir. Ce qui est important, c'est de nous dire ce que vous cherchez, si vous avez déjà une idée de ce que vous cherchez, si vous avez déjà en tête le niveau de finition que vous voulez, etc., pour que nous on puisse vous répondre de façon précise. Comme on l'a dit, on en a encore reparlé avec François Alain, qu'on remercie d'avoir fait d'ailleurs un petit live avec nous. Regardez le live avec François si vous ne l'avez pas encore vu. Mais François le dit lui-même, c'est très très compliqué de dire le prix d'une voiture ancienne. Et quand les gens disent « j'ai vu la même à tel prix », non, il n'y a plus les mêmes. Il faudrait qu'elles soient toutes les deux soit restaurées entièrement, là on pourrait comparer, soit toutes les deux avec faible kilométrage sorties du musée. Voilà. Une petite vidéo de ta Supra? Oui. Alors là, ceux qui me suivent, Jerry, il a posté une petite vidéo qu'on avait fait ensemble pour sa chaîne YouTube. Donc on avait pu voir que les pneus, les pneus sont partis en fumée directement. Et oui, c'est prévu une vidéo. Là, elle est en cours de remontage. C'est un processus qui est long parce que c'est un truc qui est très pointu et je veux passer à côté d'aucun détail. C'est pas juste on monte, on remonte. Là, tout est custom made, là, il n'y a plus rien d'origine. Donc, chaque détail compte, les durites de refroidissement et tout ça, tout doit être calculé. Il y a beaucoup de fabrication. Le moteur est dedans, ça suit son cours. Énormément occupé ici, énormément occupé avec la famille, les histoires de Corona, les machins. Donc là, ça prend un peu de retard. Oui, ça arrivera, il y aura une vidéo de la voiture en action.
certainement bientôt, j'espère, courant de l'été. Et après, en full power, full machin, ça prend encore plus de temps, parce qu'après, il faut la mettre au point, il faut la régler, je roule avec, je fasse des essais, etc. Mais oui, ça arrivera, j'espère, un jour. Voilà, donc ton objectif, c'est quoi ? T'as déjà une petite vidéo que tu fais avec ton père ? Oui, ça, c'était avant, mais je pense que... Voilà. Oui, l'objectif, là j'aimerais 1000 foot-pounds de torque. Et à peu près, c'est surtout ça, moi, qui m'importe, dépasser la barre des 1000 foot-pounds. Donc, et après, en gros, les chevaux, ça importe peu, en fait. Ce sera plus de 1000, c'est sûr, mais 1100, 1200, ça n'a pas très grande importance. C'est vraiment le couple. Et la plage d'utilisation, c'est les deux points sur lesquels j'ai énormément travaillé avec les gars de chez Restreet en Floride pour pouvoir monter ce moteur afin de respecter ce cahier des charges-là. L'idée, c'était d'avoir énormément de couple et très tôt. Donc, une plage d'utilisation vraiment large. C'est vrai que la voiture, quand le turbo va commencer à charger, jusqu'à 9000 tours, là, j'ai une plage d'utilisation qui est très grande. Je voulais pas me retrouver avec 1500 chevaux et sur 3000 tours, ça n'a aucun intérêt, c'est complètement débile, c'est inutilisable. Donc moi, mon idée, c'est d'avoir un turbo qui charge très tôt, très fort et longtemps. Donc d'avoir vraiment un moteur très rempli, quoi. Voilà le but. Ça va déchirer. Moi, je suis monté dans la version 1, on va dire, de ton moteur qui faisait 900 chevaux aux roues. T'étais déjà presque à plus de 1000 chevaux au niveau du vilebrequin. Ouais. Et déjà, c'était impressionnant, la pauvre... Corvette, là, j'avais 700 foot-pounds de couple. Il y avait 700 foot-pounds de couple là, avec cette version-là. Savoir que c'était un truc qu'on a monté vitement à l'arrache. Pareil, j'avais fait une petite sélection du bon turbo, des bonnes pièces pour avoir toujours cette plage d'utilisation très grande. Je voulais pas mettre un turbo trop gros avec un bas moteur qui pouvait pas l'encaisser. Donc on avait mis un turbo de taille moyenne, ni trop petit. Parce qu'un turbo plus petit, il charge plus tôt, il envoie du couple sur les bielles bien plus tôt et bien plus fort. Donc, avoir mis, par là, j'avais un 68 mm, si on mettait un 64 mm et que je le faisais souffler aussi fort, le couple serait arrivé tellement violemment sur les bielles que j'aurais pu casser le moteur. Donc, j'ai pris un turbo de taille intermédiaire, on va dire, 68 mm, pour pas que le couple débarque trop violemment. Okay. Donc, ouais, c'était assez déjà sympa. Ah ouais, franchement, c'était déjà une voiture qui était très fun à rouler. Ouais. Et vous allez pas me croire, mais 900 chevaux, on s'y habitue très vite. Et je me suis retrouvé sur la piste, des fois... à courir contre d'autres gars avec 1500 chevaux et t'es là, t'as l'impression d'être en mobilette, quoi. Donc, fallait que ça cesse. Voilà. Tu ne supportais plus. Non, puis bon, bah, comme tout moteur de course, il avait besoin là, ça faisait 2 ans qu'il en prenait plein la tronche. Donc, au bout d'un moment, faut démonter, vérifier les jeux, vérifier les coussinets, faire ce qu'il faut pour que ça reste toujours en top shape. Tu peux pas un moteur de course le builder et dire, ouais, bah, on verra, je referai dans 10 ans. Non, ça marche pas. C'est pas comme un moteur d'origine. Dès que c'est poussé à l'extrême et ça nécessite d'être démonté en course, je vois, en drift chez vous ou en drag, chaque saison, les moteurs sont démontés, revus, refaits si besoin est. Non, c'est du sérieux, là. C'est du costaud. Bon, moi, je vais pas rouler tous les week-ends, je vais pas faire des saisons complètes, donc je leur démonterai pas avant 2, 3, 4 ans. J'ai le temps. Mais c'est vrai que ça nécessite un entretien vraiment plus poussé qu'un mécanique d'origine, quoi. J'espère que la personne qui a posé la question est contente de la réponse. Parce que là, on est dans le développement. On vous fera avec notre ami Karim une vraie vidéo spéciale sur la caisse avec le montage, le son, etc. où vous aurez toutes les specs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs avant qu'on se laisse ce week-end ? Vous voulez revoir la chargeur ? Ok. Eh ben, on va finir sur. Allons-y, marchons vers la chargeur. Voilà. Attention, pas trop nous filmer en short pour Claude. Claude qui va bientôt récupérer sa très très belle Mustang bleue. Que nos amis de Kemenevin, la fine équipe, a tout bien nettoyé, tout bien réceptionné. Donc voilà, d'ailleurs, on passe un bonjour à tous nos amis en France. Et j'espère que tous les indépendants vont pouvoir rapidement se remettre au travail. Parce que c'est vrai que c'est pas facile pour vous de vivre de ça. Hein. On voit bien qu'avec ce virus, il y a une partie de la population qui subit un peu plus les restrictions. Donc quand on a un boulot et qu'on continue à être payé et que ça fonctionne encore, ça va, hein, faut juste prendre son mal en patience. Mais quand en plus de ça, on est bloqué chez soi et qu'on a l'impossibilité de travailler, c'est très très dur. Nous, on a eu la chance de pouvoir quand même malgré tout venir ici au garage. Donc ça a été très difficile le premier mois. On a vraiment réduit un peu le nombre de commandes, etc. Bon, bien entendu, comme tout le monde. Mais on a quand même eu la chance de pouvoir venir ici travailler, etc. Donc, on pense à vous, les copains. Voilà. Je regardais un peu les optiques à l'avant et à l'arrière, parce que c'est des détails.
bon, on a vu aux auctions, on en voit dans les car shows, etc. Mais on n'est jamais vraiment à la décortiquer dans son moindre détail. Parce qu'on n'en a pas. Et quand, voilà, quand je regarde un peu le design des optiques et tout, c'est vraiment bien travaillé, c'est sympa, c'est creux en fait, dedans là. C'est rigolo ça. Et devant, c'est pareil, les clignotants, ils sont glace lisse, on dirait presque des trucs modernes. Et vraiment, ils avaient fait un gros travail au niveau des optiques. Et moi, je trouve ça assez, assez sympa. J'apprécie le détail dans le design, en fait. Tu vois, la petite bouche, les optiques, vraiment, vraiment cool. Anthony, si tu le permets, on ira la filmer avec notre ami Karim, qui va bientôt pouvoir à nouveau venir filmer avec nous. Voilà, après, sinon, j'ai vu une question passer pour la Corvette C3. Donc, la Corvette C3 de Stéphane, ça avance bien, elle n'est pas tout à fait finie. Voilà. J'ai vu aussi demander qu'est-ce qu'il y a encore de C3. Les pièces de C3, je vais rebondir sur ce que tu me dis. Les pièces de C3, il y a beaucoup de back-order, surtout en ce moment avec le virus. Ouais. Nous, on bosse avec Eclairs Corvette. Hein, c'est notre fournisseur principal parce qu'ils ont un catalogue qui est quand même assez large, de la Corvette en passant par la Camaro, etc. Donc, et puis, bon, ils sont assez sérieux. Leur catalogue est bien étoffé, ils ont quasi tout. Par contre, il y a beaucoup de back-order. Donc là, on attend des pièces pour ces véhicules-là, dont le compteur. Le compteur nous a fait faux bond. Et sur une Corvette, bah, c'est comme le radiateur de chauffage. Hein, parce qu'on l'a fait, un radiateur de chauffage sur une Corvette, bonne chance. Ouais. C'est une vraie mission, parce qu'il faut dézinguer tout le tableau de bord complet. Les consoles, le machin, les sièges, il faut tout enlever. Et le compteur, bah, c'est un peu dans le même acabit. Là, l'élevé, c'est dommage. Bon, il y a le truc en dessous, mais pour accéder au compteur, bah, faut arracher tout le tableau de bord. Donc notre ami Jérém, qui a des mains de fée, nous a démonté le compteur. Et j'en ai commandé un et il n'arrive pas. Il devrait arriver, il reste quelques bricoles, il y a ça, il y a un petit silent bloc qu'on s'est aperçu qui était endommagé à l'arrière, donc on va le changer, il tient le pont, donc ça peut être utile. C'est utile. Ouais, je pense. Hein. Des bricoles, quoi, vraiment pas grand chose, et puis après ça sera bon. Quoi. Mais là, 90% du boulot est fini. Quoi. Et sinon, au niveau des véhicules disponibles, eh ben là j'ai beau regarder, je crois qu'on a plus... Ah, on a une question, Alors un back-order, c'est quand la pièce n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas en magasin, ils ne l'ont pas sur les étagères. Donc, ils doivent commander au fabricant qui leur fournit la pièce une quantité X ou Y. Des fois, le fabricant, lui, n'a pas la matière première pour le faire. Enfin, back-order, ça veut tout et rien dire. Il y a des back-order qui peuvent durer une semaine, trois jours, quatre jours. Ça peut durer six mois. Ça peut être back-order pour des années. Généralement, ils le savent parce qu'ils sont en relation avec les fabricants. Donc, voilà. Un back-order, ça veut dire que la pièce est en reliquat. Voilà. Hors stock. Voilà. Oui. Est-ce que vous venez le 20 juin ? Eh bien, nous allons faire le maximum. Comme vous le savez, pour l'instant, on est encore confiné. Alors, il y a ça, et en plus de ça, il y a aussi les règles internationales. Donc là, c'est même, ça sort de la partie ville, état, county ici de Los Angeles. Donc là, ça va vraiment être par rapport au vol Air France, par rapport aux autorisations, est-ce qu'il y aura de la quarantaine ? Etc. Donc pour l'instant c'est encore un petit peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on est en léger stand-by là-dessus. Cela dit, puisqu'on parle du rallye du cœur, notre cagnotte est pour l'instant on est dans le top 5, hein, on est à 1 300 €. On remercie tous les gens qui ont participé, et de toute façon il y aura cet événement là, on espère y être. Si on n'y est pas, de toute façon ça ne doit pas vous freiner pour donner, puisqu'on donne de façon principale pour la cause. Pour les enfants. Pour c'est les pour enfants. Eux que vous donnez. Donc pas l'événement pour nous. Aura lieu avec ou sans les Frenchies. Voilà. Et voilà, en tout cas. Et si les Frenchies ne sont pas présents. C'est le mec qui parle de lui à troisième personne. Comme Alain Delon. Les Frenchies sont beaux, les Frenchies sont. Non, si on n'est pas là, eh bien, de toute façon, il y aura l'équipage 155 avec une voiture de chez Socal nous qui Frenchies. Sera présente. Exactement. Ça, c'est sûr. Voilà. Encore, on est en train d'y travailler. Donc, on fait le maximum. Et il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Bien sûr. Hein, voilà. Donc, voilà. Et puis, tous nos copains qui font ça. Donc, les potes du Rallye du Cœur, continuez, s'il vous plaît, à soutenir le Rallye du Cœur. Équipage 155. Voilà. Un petit don de 10 balles. Ça coûte 3,40. Voilà. Alors, petite question. Voilà, on a fini. Non, c'est bon. Je crois qu'ils en ont marre. Hein, ils en ont marre de nous. C'est bon? L'opératrice à chaud, ok. Bon, les copains, merci d'avoir suivi ce live. Week-end, hein. Voilà, c'était un bon petit moment de détente. Et maintenant, nous allons aller expertiser une Challenger 392 EMI Shaker pour un client de notre ami Nico. Okay. Donc, nous allons y aller de ce pas. Ok.
Voilà. J'ai le temps quand même de prendre mes lunettes de soleil. Mais s'il te plaît. Hein? Voilà. Bon. Les copains, les amis, allez. À bientôt, à la semaine prochaine. Bye les sportifs.